Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Peuple à Sousa et nous-mêmes, autorité communale, nous faisons tout effort nous pour que vous nous recevoir et PM, pour nous recevoir tout le monde et qui a participé dans la célébration. Mais ça fait parce que les gros retards et par rapport au presse et pas oublier, PA lui-même, les gens fidèles qui en dedans. Et l'idée était que mes stades étaient supposés commencer à 9h, mais nous demandons et pour commencer à 10h par rapport avec le protocole là. Et puis l'heure vient apprendre qu'il y a des difficultés sous le presse. Et puis il a commencé mes stades, mais ça a fini aux environs de 11h, 11h30. Et puis PM n'est arrivé vers pour toutes les haïtiens, et date à son goût date, pas oublier. L'autre dit Jean-Jacques Dessalines, ou parler de libérateur de la patrie, ou parler de papa nation, et c'est fondateur de la patrie. C'est quand même, et ni moi-même ni vous-même, quel que soit mon nom, ou supposé date ça, ce paquet de bagages. Bon, en général, l'activité de tout commencé le 16. Par exemple, hier soir, il y a un festival, là, ça c'est pour tout le monde qui vient fêter. Et nous avons un groupe qui est dans la rue, nous avons des marches à travers les rues. Et en général, le jour 17 là, et c'est côté nous y a là, toujours gagné prise de parole, côté que il y a magistrat, il y a président de la République, ou bien numéro un pays qui toujours parlé. Eh bien, je vous dis, où est gagné des routards. Et routards là, c'est le même qui cause que le sénateur n'a pas parlé, le magistrat n'a pas parlé, et puis PM n'a pas parlé. On a prôné le dialogue dans longtemps. Et ce dialogue, c'est Chita parlé entre nous. Et qui pour faire depuis son prise de conscience nationale. Et je pense que immédiatement nous avons une prise de conscience là. Et là, c'est très bon. Et là, bon, il y a tout le monde. Et nous avons l'activité encore qui est faite dans le pays, qui va faire jeudi. Et nous avons fait distribution de matériel agricole par les paysans. Après, pendant le PM, a déposé fleurs. Après, ça, les paysans ont demandé. Les paysans ont toujours baillé engrais. Et dans le moment, nous toujours baillé zon, dans le moment, nous toujours baillé piment. Et mais jeudi, je ne sais pas, c'était toujours à travers le ministère de l'Agriculture. Et je dis, ça va arriver fait. Et je pense que faut payer un autre. Et côté que, avant mois octobre la fini, et pour paysans, et commune de Saline, on a dispensé le cabré à l'on souffre. Parce que l'autre bail et paysans, on livre zoyon, qui coûtait 1 000 $, 1 200 $. Je pense que c'est Edo Edel pour faire Anis pour les petites lits. C'est Edo Edel pour faire Anis faculté petite lits. Mais Anisa, et nous pas faire. Parce que, je suis capable de dire, est-ce que c'est le gouvernement ou le ministère de l'Agriculture, quelque part, et qui va arriver sous paysans ou Anisa? Je vais acheter un gallon de gaz ici, à terre. Gallon de gaz à terre à vendre 150 $. Si gallon petit, il n'y a pas de jeune dans nous. Le gros jeune dans nous, il va l'acheter pour te battre nous. Juste bien loin. Il y a le côté Saint-Marc, il y a le Limbé, il y a le Cap. Il vient avec un petit gaz, il vient pour te gaz battre nous. Je vais acheter un gallon de gaz pour 150 $. Il vient avec le coucher. Pour venir avec elle, pour battre nous. Nous bloquons peut-être gaz ici. Ici, là, nous ne pouvons pas fonctionner. Hein, la vie chère. Nous avons besoin de le gouvernement. C'est pour le travail. Pour nous jouer le gaz, pour nous fonctionner. C'est 17 octobre.
Et moi je dis, hein, fait 3 mois, 10 jours depuis qu'on a été assassiné, depuis un jour fait lâchement, eh bien, 3 mois, 10 jours après, c'est comme si Mdavazou, nous n'avons pas gagné sans décarité, une volonté politique réelle pour que ce jour soit capable de faire justice. Nous connaissons le président Jovenel, cette population qu'elle a trouvée. Et je dis, nous-mêmes dans le département nord-est, nous disons en particulier, nous couvrons les costumes pour nous dire que le président Jovenel joue une justice. Et nous demandons également une commission internationale qui pour accompagner le juge nous en Haïti, parce que nous estimons justice nous en bancal, justice nous en faible. Eh bien, il y a un accompagnement au niveau international qui va permettre que ça ne crée pas, à savoir, et justice président Jovenel va arriver plus vite et plus bien également. 17 octobre, ce n'est pas le fait même que, eh bien, nous comprenons des personnages, à savoir Jean-Jacques Dessalines et Jovenel Moïse, nous dit politiquement, eh bien, il y a un trait de ressemblance. Nous comprenons que des personnages, eh bien, ils ont décidé pour ils ont été gourmés par côté monde qui est plus faible. Côté malheureux et malheureux. Et mais c'est ça que fait jeudi, hein? Nous profiter commémoration et bien la mort de Saline pour nous faire un marche pacifique pour demander justice pour le président Jovenel Moïse. Pratiquement, moi-même par la justice, c'est vrai que quand pile monde qui a prêté du doigt, moi-même je crois que c'est la justice pour nous quitter ce travail là. Et je ne crois pas qu'il y a un monde qui doit prendre en place la justice. Moi-même plus quoi, faut enquête là lui-même qui fait bien, faut enquête là aller vite, pour que normalement je connais les auteurs, je connais les co-auteurs, je connais les gens qui travaillent l'argent, les gens qui étaient planifiés criminels, et bien c'est eux qui intéressent. Et c'est pourquoi, encore une fois, nous-mêmes au niveau nord-est, nous avons demandé pour enquête là capable de marcher plus vite. Jodi a son date importante dans l'histoire du pays d'Haïti parce que c'est une date qui marque le moment apéreux de la Saline. Et dans le cas où le président Jovenel Moïse est inspiré de l'idéal des Saliniens, et plus que normal, Jodi a accident de 12 mois pour que non seulement nous commémorer la question de ces 15 ans, l'année. En ma présence et après Rajan Gessaline, mais tout ça opportunité parce que Jovenel Moïse est inspiré de Jovenel Salinien pour qu'on continue de demander justice pour Jovenel Moïse parce que nous n'arrêtons jamais de demander justice pour Jovenel Moïse tant que justice ne lui soit pas rendue. Dessalines est mourir parce que lui-même, que ce soit agréable, je dirais, que ce soit agréable pour chaque travail ancien et slavio, nous n'avons pas de dans le bord de Dessalines. Et bataille Jovenel Moïse a mené son bataille en faveur de la paysannerie. Sur cette base, nous estimons que nos rapports ont certaines démonstrations de manière analogique qui fait entre l'homme de Saline et le mort Jovenel Moïse. Nous avons choisi la date du 17 octobre pour que nous fassions mouvement ça, pour nous continuer à la justice de Jovenel, parce que nous n'arrêtons jamais tant que justice ne soit pas rendue à Jovenel Moïse.
Dessalines avec le président Jovenel. Nous ne pouvons pas comparer l'empereur Papa Dessalines, Papa Nation, à président Jovenel. Mais je dis à Mabdino, nous-mêmes qui sommes là, qui attendons nous, nous-mêmes qui sommes sur les Shoah, qui attendons nous, je dis à les, nous qui soupirons de ça, deux jeunes garçons saillants qui mourent pour libérer Haïti économiquement, présence nous là, je dis à, vous voulez dire que le pays d'Haïti, nous calme tout à charger, mais la sortie quand même. Nous profiter de s'allier tout pour organiser Kazet, Azet, délégué de ville, Kazet Maïsan Nango, spécialement président Zidi. Nous saluer la famille président spécialement Pont. Nous saluer vice-délégué qui sortit pour partout dans le département, 14 solides dans le département. Nous saluons les poignots qui présent là, qui viennent se poser, j'observe pour président dans l'esprit président. Nous saluons M. José Daniel. Nous saluons spécialement délégué départemental Nord-Est, Jodia, président République n'est pas présent, mais nous pensons que le président délégué a supposé par la rigueur. Présentons-nous expliquer, je dis, c'est tout prononcé à terre par le monde entier, pour nous dire, magistrat Nord-Est, mais ensemble avec vous organiser, avec bureau sénateur Valérie Pierre, dit tout le temps président Jovenel Patou Béjicis, nous pas quitter la RIA. Tout le temps président Jovenel Patou Béjicis, nous pas quitter la RIA. Nous dit la police nationale, le responsable pour sécuriser la population qui est à la RIA, les nous fatigués, la fin en grand pour l'opération par le président Jovenel. Devant le monde entier, nous venons d'ouvrir Jodia Chaya pile pour vous parce qu'il y a une responsabilité. C'est pour aller bataille. Votre prince avec le lapin, c'est un bac qui est passé tant pour faire président Jovenel Moïse. À travers votre peuple de Stéphane, c'est la Dominique, avec Jodia. Je regarde les salines de Moïse, 17 octobre, président Jovenel assassiné, 7 juillet. Ça montre que c'est là, montre que n'importe où prince par le bonheur de l'Ouest. Vous m'en citez, que c'est là. Nous demandons justice pour le président Jovenel Moïse. Où est-ce que toi, l'air?
Il y a des choses pour vous faire. N'est-ce pas pour aller dans le pays? N'est-ce pas continuer à te chercher? Aïe,
président de la République. Je dis, m'a répété le président. Et bien, prise de parole, et moi, président Moïse, pour vision. Moi, je pose un crémasse qui est fait avec plusieurs saveurs. Nous avons un crémasse qui est cocoyé, coussol, gingembre, tamarin, et grenadier pour citer ça seulement. Quelle activité, pas qu'on ait si c'est problème pays, l'argent, pas gagner l'argent. Bon, nous avons un temps pour nous, pas qu'on ait, comme je dis dimanche, le dernier jour, nous avons un pour nous, nous avons un pour nous faire nous vendre. Pour journée, nous avons préparé un deux trois pour quitter, mais. On a préparé n'importe 4 bouquets de crémasse, n'importe 6 bouquets, tout ce qu'on aime commencer. N'importe 8 bouquets de crémasse, tout ce qu'on aime commencer. Bon, les gens qui organisent, il faut l'habitude d'organiser. Je bon, suis bien content de ces années à moi, déjà, plus bien organisé. Et en plus, la société est organisée, elle est plus grandiose, après plus de monde. Quand elle est organisée, elle est exposée pour faire. Parce que j'ai invité moi venir participer là. Je crois que c'est la 7e édition. Gastronomique dans bouchette là. Bon, malgré temps pas trop bon, pas de soleil, mais moun yo fait déplacement quand même. Et on connaît tout à cause de raison et problème sécurité a, mais timidement activité a fait quand même. Bon, c'est graduellement mouvement vinn fait, mais à cause de temps moins insolent, il vinn fait pareil comme c'est au ralenti. Sou ka remarqué pendant là c'est qu'on y a ti moun yo commencé à venir. Il y a une activité économique quand même qui a fait son bagage comme si c'était rentable tout, vous comprenez ça me dit là. Et puis l'important pour nous supporter comme si un produit local nous, artisan nous tout. Vous comprenez ça me dit là. Il faut que nous encourager et le pas jamais trop tard. Même là, on ne peut pas avoir une chance comme si participer avec nous année ça, mais l'autre année, on monde pour participer ensemble avec nous. C'est prendre plaisir, nous, enjoy, supporter local, consommer local qui est bon pour santé nous, et nous faire quoi nous bel tout à travers comme si habillement nous, montre, collier, on commence à me dire là, c'est bagaille local. Et puis qui s'allie, fête là, son fête, nous sommes capables de dire son fête en fête Saint-Gérard. C'est à l'occasion de fête Saint-Gérard qui s'est faite par Roi Saint-Gérard, il fait activité ça. Et je dis à tout, nous pas oublier, je dis à qui joue tout, je dis à son jour spécial pour tout haïtien qui rappelle nous l'amour empereur papa de Salé. À la 7e édition, nous t'as souhaité sur plus d'éditions. Au on est à cause des pays, hein, parfois, catastrophe naturelle ou bien l'autre bagaille quelconque, nous obligés pas faire. Mais à la décidé de faire, malgré tout, nous avons décidé de faire quand même, malgré Jean Payan, Jean tout connaît Jean Payan, malgré ça, nous sommes obligés de faire quand même pour faire la 7e édition. Comme on connaît Saint-Gérard, c'est pas tout nous, on ne dit pas tout le monde qui a fait. Mais nous sommes obligés de faire avec quand même, malgré la situation payant. Et il y a tout le bagaille là, nettement fort là. Vous regardez là, vous machine, vous passez vos machines, vous machine, vous tout le bagaille avant nous. Vous montrez ça, c'est bagaille local parce que vous avez nous notre bagaille qui bagaille local seulement. Que chaque année tout, vous pensez que vous participez avec nous, chaque année tout, toujours, c'est bagaille local, toujours bien là. Et l'on regarde tout, peut-être que nous avons vécu parfois tout, tout le monde comment tout le monde a défilé là tout. Ou est-ce une belle bagaille quand même, même malgré les gens payant quand même. On dit dans le pays, l'or vient dans le niveau ça là. On dit ici dans 7 à 8 du soir là. Depuis vendredi, nous commençons. Je dis, dis-moi, ça veut dire nous réussir quand même. Tout le bagaille bien passé grâce à Dieu. Et je pense que ça finit bien passé quand même. Est-ce que je dis dans le pays avec la sécurité? Bon. Pour nous même jusqu'à présent, tout le bagaille plus ou moins. Je ne vais pas dire en forme parce que je paye par côté de sécurité. Mais tout le bagaille plus ou moins dans cette zone là. Et nous toujours demandé tout, peut-être. Si dans notre zone autour, nous avons fait des activités autour, il y a besoin de notre zone autour. Il va supposer seulement dans la bouchette, il a fait dans l'autre côté, dans un cycle quelconque tout. Ou du moins si dans notre zone, par exemple, j'aime nous dire dans le ghetto, il a fait ça tout, parce qu'il a besoin de vivre tout. Comment ça veut dire là? Et nous besoin de la paix dans le pays. Nous besoin de vivre dans le pays tout. Tu vas garder tout le monde, tout le besoin de vivre. Tu vas demander à tout le monde, pas payer une petite chance au moins pour tout le monde qui vivre dans le pays. Parce que nous besoin de ça. Travaux. Sous préparation budget 2021-2022. Je nous connais nous en retard sous préparation budget 2021-2022 qui était supposé prêt depuis le 30 juin, de manière à ce qu'il soit disponible depuis le 1er octobre. Donc, circonstances que nous tous connaissons fait que les changements, les troubles, donc fait que le budget rectificatif là, il était préparé un peu tard. Donc, pour l'année 2021-2022, nous t'ai dit, suivant les directives du Premier ministre, suivant les directives du gouvernement, il faut que nous gagnions un budget qui est préparé avant la fin du premier trimestre. Donc c'est ainsi que
avec le ministère de la planification et de la coopération externe, avec la direction générale du budget. Donc nous mettons-nous ensemble de manière à ce que nous ouvrions travaux au matin pour nous obéir à la loi du 4 mai 2016 qui voulait que nous ayons un budget pour le pays qui établit chaque année. Donc dans ce sens, nous avons commencé avec le travail au matin. Je nous connais, c'est un travail qui m'a demandé en pile temps pour le réaliser, mais nous pourrons faire en sorte à ce que nous réalisions dans les 2 mois, plus ou moins, de manière à ce que le pays soit capable de bailler dans quelle direction il voulait aller, pour le bailler ça non seulement à la population, mais à tous les partenaires techniques et financiers qui ont assisté nous, pour nous dire dans quelle direction nous voulons aller. Nous connaissons le pays qui a été affecté par le tremblement de terre du 14 août 2021. Nous avons un ouragan qui était passé, sans compter, nous étions déjà à faire face à la pandémie. Donc les documents de référence que nous avons gagné dans le cadre de préparation budget, ça, nous avons gagné le PREPOC, qui sont plans à moyen terme, et puis nous obtenons les derniers résultats de PDNA que le ministère du plan de concert avec les partenaires internationaux ont même travaillé sous lui. Mais après le tremblement de terre, normalement nous faisons une sandakarele en évaluation dommages, pertes et besoins. Que terme anglais a dit PDNA, c'est Post Disaster Need Assessment. Donc le document ça permet que nous plus ou moins connaître qui est à dégâts et qui besoin et qui réponse nous cabaye ni à phase de relèvement ni à phase de construction. Et au-delà de documents ça, je voulais dire que nous avons déjà des cumuls de problèmes qui existaient déjà. Nous sommes dans une situation et avant le tremblement de terre, nous sommes dans une situation d'insécurité, nous sommes toujours dans une situation d'insécurité généralisée qui fait que si nous prenons par exemple, simple douane Malpass par exemple. Son cas d'espèce, si nous prenons douane du port, son autre cas d'espèce. Et côté que oui, c'est ça, difficile pour et prévision qui était faite, il arrive à un résultat qui était ce côté. Je prends ça comme élément. Maintenant, si ça me donne cumul de problèmes, c'est le tremblement de terre 2010. En pile papier écrit, mais ça que vous faites, il va arriver fait. Et nous avons une question prévision que tu as faite, nous avons une période cyclonique, qui ça que tu as préparé pour la période cyclonique, rentrée des classes et Covid, un bon événement que nous allons attendre, nous arrivons à ajouter à tremblement de terre. Donc dans le moment que nous avons fait document, nous avons travaillé sur le document, ça, nous avons dit que nous devons être 6 semaines, le document premier de la censé pareil, que nous avons soumettre au grand public. Loi 4 mai 2016, là, l'y fait de Direction générale du budget, et avec l'Ibali comme responsabilité pour assurer support technique et logistique des travaux de préparation budget. C'est dans ce sens ça que pour nous arriver dans un délai que Jean-Ministre a dit de la calendrier qui serait ça, nous avons, comme nous faisons traditionnellement, des commissions, mais ça parle de eux, et nous pouvons faire suivi à chaque étape yo, de manière vraiment serré pour que nous soyons capables de respecter chaque date que nous mettons qui dans le calendrier. Donc, c'est pour ça que nous créons des sous-commissions. Et Jean-Michel dit, c'est des organes multisectoriels, mais qui sont surtout composés de cadres qui soutiennent le ministère de la planification, avec cadres qui soutiennent le ministère des Finances. Et toutes sous-commissions travaillent en parallèle. Et chaque travail, une finit là pour utiliser le travail de l'autre sous-commission pour nous avoir une cohérence qui pourrait faire que. À la date retenue, le nous finissons la conférence budgétaire, nous préparons les documents pour nous soumettre et bail et autorité pour adoption et délibération finalement. Année ça, bon, profitez pour me dire nous finissons l'année en difficulté parce que nous voyons chaque fois pour approvisionnement fait son casse-tête et le gouvernement toujours fait effort par lui-même puisque pour que nous comprenions bien, nous-mêmes nous achetons gaz là et puis nous bâillons compagnie, ça après, nous-mêmes nous venons payer l'État. Donc nous comprenons, l'État obligé de faire des bourses là et puis il faut le temps de compagnie payer
vous comprenez, avant lui-même pour le capable recommencer comme commander. Et ça c'est pas le problème non, c'est parce que nous acheter gaz là là non prix et nous tendez sur marché international là bon secret pour personne. Tout le monde a pris le prix gaz là qui j'ai la monté, mais en Haïti prix gaz là était même genre. Donc c'est ça qui bat le problème parce que à chaque fois gaz la vente, l'État lui-même les parti dans le corps là, faut qu'il joigne dans le corps que la douane entre, dans le corps DGI entre, faut lui on parti la donne pour subventionner gaz là. Donc c'est sous ça notre travail parce que pour l'année qui s'est passée là, au 30 septembre, l'État a perdu plus que 30 milliards de gouttes dans le gaz là. Donc qui veut dire, son problème, nous pensons que tout gouvernement penché sous lit, il y a travail parce que son situation qui est intenable. 30 milliards de gouttes l'année dernière, mais année ça, j'en ai pris gaz là, parti sur le marché international là, c'est sûr, là plus que 30 milliards, donc il faut qu'il y ait des mesures qui prennent de manière à ce que et nous sortir dans situation ça. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis. Dans nos rangs, loin de traîtres, du sol, soyons seuls maîtres. À ces lois, songez qui m'ont noyé. Belle mère, pas maman. Beau père, pas papa. Maman, nous, c'est Akaye. Akaye, ou c'est roseau. Ou remè moun, ou sensible. Longtemps, ou t'es en paix. Ou t'es paisible. Ou t'es connu. Attire moun. Jodia, c'est contraire. Même pour un petit tout, père vin côté. Il faut que quelque chose change. Quelque chose doit changer. Et c'est ensemble, nous pouvons trouver ce changement. De nombreuses personnalités ont contribué à faire de la ville d'Ankaye ce qu'elle est dans l'histoire. Cette ville a accueilli le premier congrès national en 1803. Une année décisive pour la nation tout entière. Une année que nous ne devons absolument pas oublier. Et nous ne devons pas oublier ces hommes et ces femmes comme la fameuse Catherine Flon, le vaillant et têtu Charles Belair, l'intrépide Sanit Belair et la sage Grande Guitton. D'une manière ou d'une autre, ces grandes figures nous ont donné une histoire et fait pâlir les conquérants. Aujourd'hui, nous, Orchelois et Orcheloises, nous pouvons refaire l'histoire et donner à cette commune ce qu'elle mérite, la paix. Jean-Jacques Dessalines, le père de la nation, le héros visionnaire, n'a jamais été un bel écueil, encore moins un barbare. Il a été un homme de paix. Sur l'habitation de Brigat, de Gobert, à Plaisance, dans le Nord, il y a eu le courage d'aller à la rencontre de Alexandre Pétion pour lui parler, pour avoir un dialogue franc avec lui, afin de trouver ensemble une piste de solution aux problèmes qui rongeaient la nation à l'époque. Il a pris le soin de rencontrer les généraux mulâtres dans le sud, au camp Girard. Il voulait calmer le jeu et lutter autrement pour l'indépendance nationale. Il voulait également que les Noirs, dont les origines se trouvent en Afrique, puissent jouir amplement des avantages que le sol national pouvait leur offrir. De ce fait, il a voulu vérifier les titres de propriété pour pacifier la société et partager au mieux les richesses et éviter la catastrophe. Après la bataille de Vétière, il a donné aux Français presque mois pour lever le camp après les avoir vaincus.
faire la guerre ne constituait pas une priorité pour Dessalines. La guerre a été pour lui une obligation, une extrême et difficile décision. La paix a été pour lui l'élément qu'il fallait rechercher coûte que coûte. Malheureusement, nous ne l'avons pas compris. Des années ont passé, les tyrans sont toujours présents. Ils ont jeté parmi les fils et les filles dignes de la nation la bombe de la discorde. Pour une fois, nous n'allons pas la ramasser. Le premier ministre Ariel Henry, qui au plus haut niveau de l'État, comprend cette supercherie. Comme au vieux pèlerin, il prend son bâton pour renforcer et dynamiser, à l'instar de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, le processus de dialogue pour une gouvernance apaisée pendant la période intérimaire. Ce sont les Haïtiens qui doivent régler le problème d'Haïti. Ce sont nous aussi, Orchelois et Orcheloises, qui devons régler le problème de notre commune. Akaye ou Kapab, petit ou yo kafel, c'est pour ça que nous toujours compté sur vous. Ou c'est une ville référence, les palais des libertés nègres. Ou c'est une ville histoire, les palais des drapeaux. Ou c'est si tes rêves tout petit tout. Akaye, ou c'est moun, ou c'est un bon maman. Ou remè la caillou, ou toujours fier pour dire ou c'est moun akaye. Ou qui caractère, ou qui dignité. C'est ça qui fait moun toujours compter sous. Je dis ya, si t'es drapeau noir, compter sous. Akaye, comme voyant, pas qu'arrêter à genoux. Levez campé pour construire avenir chez nous, pour préparer des médecins nous, pour chasser division dans mes temps nous, pour combattre saleté et insécurité, pour porter soin dans mes population. Ce 17 octobre 2021 ramène le bicentenaire d'une commune exceptionnelle. Nous sommes tous ici présents pour célébrer une ville historique, une cité riche en histoire. Nous magnifions au présent l'avenir que nous désirons tous, tout en interrogeant notre passé glorieux. Nous célébrons un bicentenaire d'histoire, d'expérience, de volonté de changement, des luttes acharnées pour tracer le chemin de progrès de toute une communauté et au-delà. Nous célébrons cette date bénie dans le calendrier universel. Nous célébrons la première capitale mondiale des nègres libres, car c'est ici, dans ce coin mythique, que nos pères noirs et mulâtres, libres et encore esclaves, fortunés et pauvres, ont élu domicile pour inventer la signification moderne des mots liberté, égalité, fraternité. En ce jour mémorable du 17 octobre, nous célébrons une vision que l'on souhaite commune et une commune que l'on veut prospère pour la laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. Orcheloises, Orchelois, c'est le 17 octobre que le président Jean-Pierre Boyer a hissé Orcaye au rang de commune. Il avait raison. C'est le 17 octobre 1821, soit 17 ans après l'indépendance de notre nation, que la cité de Catherine Plon est devenue commune. Nous célébrons donc son bicentenaire. Et nous avons raison. Cependant, nous avons tort de trop souvent oublier les idéaux de paix, de prospérité, de fraternité et de progrès dont rêvaient nos ancêtres pour nous, pour nos enfants et nos petits-enfants. Après 200 ans de vie administrative, la prospérité y est absente. L'unité fuit le cœur des Orchelois.
la fraternité est en cavale, les idéaux de paix et les promesses de bien-être sont portés disparus. Je vous le dis, nous avons tort. Arcaïe, la ville de mon amour et de ma naissance. La ville sainte des femmes et des hommes qui luttent pour leur indépendance. Les chrétiens en Jérusalem, les musulmans la Mecque, les hommes assoiffés de liberté et de prospérité en Arcaïe. Moun Arcaïe, c'est pas sans raison d'être création commune Arcaïe pour croiser bap bap avec le mot Papa Lachon. Nous sommes le premier héritier idéal de sa lumière. L'ombre est ensemble pays, terré dans Arcaïe. C'est ensemble sous ça qui rassemble, sous ça qui définit comme nation, sous ma fabrique identité comme haïtien. C'est un vrai développement et sécurité. Mesdames, Messieurs, ce 17 octobre 2021, nous célébrons le bicentenaire de la commune de l'Arcaïe. Nous en sommes joyeux. En même temps, nous commémorons l'assassinat du premier chef d'État haïtien. 215 ans, alors qu'il y a 3 mois, le dernier s'est fait assassiner. Nous en sommes attristés. Je crois qu'on ne construit pas une nation avec autant de crimes à son sommet. Les assassins de l'empereur Jean-Jacques Dessalines n'avaient pas été condamnés pour leur horrible crime. Ceux du président Jovenel Moïse ont eu d'énormes moyens pour semer la diversion et brouiller les pistes. Que la justice lui soit rendue. Je suis convaincu qu'on ne construit pas une nation forte sans procès exemplaire. La justice élève une nation, l'injustice la rabaisse. Tant que ce traitement ça n'a pas côté pays d'Haïti prenait sens là, eh bien, c'est tant que notre pays d'Haïti a fait bac. Parce que le développement d'Haïti passe par le développement de l'Arcaïe, monsieur le Premier ministre. Je dis à tout, c'est commémoration, assassinat, papa nation. Je n'ai jamais comprendre comment expliquer pour assassiner les gens qui étaient dans la tête la main indigène qui a libéré nous, le 17 octobre, c'est Banrara qui nous mettait dans la rue. Ce n'est pas possible, c'est pour nous corriger ça une fois pour toutes. Le 20 septembre, c'est date de naissance des Salines. Ou pas jamais média à parler de M. Sarr, ce grand homme. Pour l'histoire, Mabzino. Le yote fin assassiné de Saline, moun ki tap dans ses rara yo, c'était en majorité des hommes à peau claire. Mais moun tête green par emre yo, yote nan tristesse. Ça veut dire si nous pas connin, y a fait nous dans ses rara sous cadavre de Saline, eh bien, c'est comme si notre propre pays a renversé tête en bas. Je dis à nous, côté pour nous marcher, nous courir. Côté pour nous courir, nous marcher. Le pour nous célébrer la vie des Salines, nous ne pas occuper. Le pour nous commémorer l'assassinat, nous mettre bonne dans la rue. Ça vient faire que le pays a tête en bas. PM, on corrige ça. Il n'est pas possible. Comme représentant diaspora, PM met revendication nous. Nous besoin sécurité pour le pays. Où est-ce que je nous recevoir? Nous n'avons pas besoin de voyer 20 millions de gouttes pour calmer la rue pour venir. Où est-ce que je nous décorer pour vous? C'est ça qui a gagné. C'est comme si vous aviez 50 ans de PM,
ou te quitter madame petite et puis ou rentrer ou essayer décorer ou décorer pour mais ça a quand même réservé pour eh bien PM c'est pour penser avec Akaye tout diaspora souhaité 18 mai qu'a fini là pour payer clean pour venir fêter la caillou parce que c'est parce que au peur qui fait on va venir là. Deuxième bagaille, diaspora en Cayenne dans mandat OBM, l'argent y a voyé pour famille en Haïti, bayo l'en dollar américain. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible. On a voyé l'argent américain et au Kembel. Et puis on va aller en goutte. Et pourtant, goutte n'a pas vaut un. On corrige ça. Troisième revendication pour me finir, parce que moi, je ne suis pas blanc. Nous, aimons diaspora en pile. Depuis nous parler, diaspora. Mais là, pour l'expliquer, dans la vie politique pays, nous dit que c'est étranger. Eh bien, dans la constitution haïtienne, le nous pral mettre tête nous ensemble, c'est pour nous offrir la possibilité yon haïtien qui arrive à l'étranger, qui change de nationalité, que capable de retourner pour des contributions dans l'avancement pays d'Haïti, parce que d'après chiffres publiés, près de 60% des ressources humaines nous à l'étranger. Si nous négligeons, nous ne pouvons jamais pas. Les généraux, membres du corps expéditionnaire de Leclerc, étaient à l'Arcaillé. Les membres du fameux corps expéditionnaire qui avait pour mission ultime de rétablir l'esclavage, ceux-là même qui à la crête à Pierrot tiraient sur des salines et pour leur part participaient à l'Assemblée et à cette grande Assemblée générale. Ce sont eux qui se concertaient à l'Arcaïe pour aider à la construction du boulevard de la liberté. C'étaient des adversaires, des ennemis, des mulâtres, des noirs devenus des frères. Ils n'avaient pas le choix, sachant que Jean-Jacques Dessalines ne les aurait pas ménagés. La volonté de créer cette nation était très forte. C'est à l'Arcaïe que ces idéaux se sont cristallisés. Arcaïen est la transcendance. Arcaïen symbolisait la rupture avec le passé. À l'époque, Arcaïen était le futur. Et ce futur était incarné à travers la création de la première république noire indépendante du monde. Haïti, notre Haïti, Haïti chérie, considéré jadis comme la perle des Antilles. Nous sommes le premier pays nègre, loin, dans le monde. Et nous fiers de ça, les ancêtres nous ont accompli. Nous pas manger, manger plié. Si on dit encore, nous devons songer ça que tu dit dans la caillère, c'était un drapeau. Nous tous, quelle que soit l'origine, à ça nous penser, nous avons coupé fâché, à exclusion, discrimination. C'est peut-être ça, moi-même, comme chef gouvernement, je travaille pour monter un CEP crédible. Je travaille pour nous mettre un constituant, pour nous mettre une constitution que tout peuple a d'accord. Je travaille pour nous mettre un gouvernement consensuel et inclusif. Je travaille pour nous combattre l'insécurité à toute association. Nous travaillons pour réconciliation nationale. Nous travaillons avec tout le monde pour nous appliquer à l'accord politique pour un gouvernement apaisé et efficace dans la période intérimaire. Que plus que 683 partis politiques à représentants d'organisations sociales civiles là déjà signés. Nous avons détermination. Nous avons volonté. Nous avons doucement pour nous rassembler plus de monde. Mais n'avancez pas.
gens qui pensaient que faut qu'on aille plus vite. Il n'y a pas besoin de cœur sauter. Ensemble, à tout le monde, qui s'y a quoi, n'a pas de résultat. Nous sommes cette première république noire qui continue à puiser sa fierté dans le passé héroïque des ancêtres. Si nous avions aujourd'hui repris le sens de cette rencontre décisive et déterminante dans la cité du drapeau, de cette mise en commun de l'intérêt de chaque individu, de chaque secteur, de chaque groupement social, politique et économique, nous aurions définitivement et unanimement signé un pacte pour la rupture avec la discrimination et l'exclusion. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour t'attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.